L'an dernier, j'ai participé au Tour de l'Anse des Cèdres et j'ai vu certaines personnes très stressées de rouler en groupe et de rouler en compagnie de Lance Armstrong. Oui, ça peut intimider. Écoutez, on est là pour s'amuser, on est là pour amasser des fonds, ramasser des sous pour des enfants atteints du cancer à l'Institut des Cèdres. Alors, d'abord et avant tout, c'est une fête cycliste et une levée de fonds, c'est une cause très noble. Alors, il ne faut pas se stresser. Bien sûr, on aime être en forme, alors roulez d'ici le 11 septembre à chaque occasion que vous avez de vous entraîner, mais ce ne sera pas une course. Je peux vous dire que si vous avez le goût de parler de vélo, moi je vais être sur le circuit, Lynn Bessette va être là, on ne va pas rouler à 45 de moyenne. D'abord, ce n'est pas une compétition, c'est une levée de fond. Est-ce qu'il va y avoir un petit party autour de tout ça? Hein? On ne se prendra pas trop au sérieux, moi j'ai hâte. Parce que ça va être agréable sur le vélo, ça va être tout aussi agréable quand on va être sur les lignes de touche, tu sais, ensemble à parler, peut-être à se challenger en vue des tours qui s'en viennent.